Dans le cadre du virage numérique dans les réseaux scolaires, un projet de création musicale a été élaboré avec les élèves de l'école primaire Félix Leclerc à Shawinigan Sud. Un projet alliant composition, arrangement, improvisation, instruments, voix, scénographie, vidéo, enregistrement studio et notation musicale informatisée. Voyons comment l'équipe a vécu cette expérience hors du commun. Je m'appelle Marie-Claude Baribeau, je suis la directrice de l'école Félix Leclerc. Mon nom est Julie Lefebvre, je suis enseignante en musique ici à l'école, mais je suis aussi responsable du projet. Mon travail, c'était vraiment d'orchestrer les horaires, les ressources matérielles, les ressources financières. Madame Julie gérait davantage le côté musical. Cette idée-là est partie du fait que ma direction d'école m'a parlé d'une subvention qui était offerte par le gouvernement pour monter un projet numérique dans les écoles. Puis ici, vu que c'est une école à vocation musicale, on s'est dit, ah ben là, on va greffer la musique au numérique. Mon nom est Anthony Gagnon-Boisvert, je suis arrangeur, technicien son et mixeur. Je m'appelle William Simard, je suis producteur exécutif et responsable de la vidéo du projet. J'ai tout de suite vu la possibilité d'amener un projet de ce style-là de vidéo, intégrer le vidéo, l'enregistrement audio. Un de mes plus grands rôles a été premièrement de créer une structure du projet, en fait, autant au niveau des finances, au niveau de comment on va réaliser le projet, l'horaire des journées, de la façon qu'on va aborder. Ma réaction a été de trouver le projet très ambitieux. Wow, Julie, comment on va faire pour faire vivre ça? Donc, c'est là qu'on a regardé ce qui s'offrait à nous. Et la mesure, le virage numérique dans le réseau scolaire, s'est avéré la porte d'entrée pour nous permettre de vivre ce projet-là. Je m'appelle Florence Deschaines, je suis en 6e année, puis je joue du piano. Je suis Justin Laranger, je joue de la basse puis de la guitare, puis je suis en 6e année. Je me fais Xavier, je suis en 6e année, puis je joue du violon depuis la 5e année. Bien, la première étape, ça a été de voir le potentiel de l'école pour un projet de ce style-là, de cette envergure-là. Donc, on est venu examiner les classes, voir qu'est-ce qu'il y en était par rapport aux élèves, les talents peut-être cachés de certains élèves. On a commencé avec des choix de chansons, puis il y avait à faire un travail en famille. Qui me permettait, dans le fond, après ça, de faire un montage sonore pour par la suite faire un arrangement avec ces pièces-là. Les chansons qui représentaient beaucoup, qui représentaient les valeurs de l'école. Le respect, l'engagement et l'autonomie. Ce projet-là a vraiment travaillé l'engagement. On a vu des élèves qui étaient motivés dans tout ça, qui étaient vraiment présents. Parce qu'il faut savoir qu'on a une pièce qui dure 7 minutes, qui comporte beaucoup d'instruments. Donc, Anthony a écrit un arrangement, il écrit toutes les partitions. On s'entend que la pièce est divisée en 238 parties, 238 petits blocs. Bien, en fait, moi, j'ai fait des blocs de piano, j'ai joué du piano, j'ai fait du chant choral, puis j'ai fait deux solos. Moi, j'ai fait le groupe rock, c'est un petit peu plus la partie rock de la musique, puis j'ai joué un petit peu de guitare acoustique et classique. J'ai fait du violon, j'ai fait du chant soliste, puis j'ai fait de la percussion. Je m'appelle Caroline Chouinard et j'enseigne le piano aux élèves de 3e, 4e et 5e, 6e. Je m'appelle Maxime Lemeur, je suis le professeur de guitare de l'école de Félix Leclerc. Mon rôle, ça a été de les préparer à pouvoir jouer les extraits musicaux qui étaient pour les pianistes, en fin de compte. Il y avait plusieurs extraits pour les pianistes. On a reçu le matériel pour toutes les partitions. Donc, c'était de les déchiffrer avec eux et puis de les accompagner dans la pratique de ces partitions. J'ai été surprise à quel point on avait vraiment un studio de musique professionnel pour vrai. On a organisé les lieux de façon différente. Donc, d'avoir un micro, de comprendre que ce qu'ils jouent est capté par le micro et s'en va dans l'ordinateur pour être enregistré. Chaque jeune, je pense qu'on a très bien compris ça. Les élèves ont travaillé sur un ordinateur et à générer des sons, à essayer des trucs, à même composer. Je m'appelle Carla Bernacci. Mon rôle était conceptrice de capsules pédagogiques pour les élèves de l'école Félix Leclerc. Donc, en fait, je suis allée à l'école deux fois pour faire vivre des ateliers aux élèves en direct. Puis par la suite, j'ai préparé des capsules vidéo en lien avec ce qu'on voyait, donc la création musicale, l'arrangement, puis la conception MIDI. Mia Jade, le one et me. Léopold, t'as appris quelque chose de nouveau? Non. Un autre point important de cette vidéo-là était pour moi de faire participer les 102 élèves de l'école. Donc, tous les élèves ont participé, tous les élèves ont mis la main dans la fabrication du décor.
tous les élèves ont eu les ateliers, au niveau de la composition, arrangement, notation musicale. Donc, tous les élèves ont pu y toucher à ce volet-là. Et en termes d'enregistrement, tout ce qu'on entend dans la vidéo a été joué par un élève. Donc, il n'y a aucun adulte, aucune personne, il n'y a aucune personne en dehors de l'école qui a joué des notes ou tous les sons qu'on entend dans la vidéo ont été joués par des jeunes de Félix Leclerc. Je m'appelle Véronique. J'enseigne au 5-6 et je suis enseignante d'art plastique de toute l'école aussi. Je m'appelle Mélanie Robinson et dans ce fabuleux projet, j'étais scénographe. Tout ce qui est les décors, en fait, les panneaux, les graffitis sur les panneaux, les autocollants, les affiches aussi qui ont été réalisées par les élèves. Et ça a été vraiment un super projet parce qu'on a pu vraiment intégrer tout le monde à tous les cycles dans ce projet-là. On est parti de l'idée de murs de graffiti. Et dépendamment du niveau des élèves, ça c'était plaisant, là. Il y en avait des tout petits, puis on en avait des plus vieux qui s'en allaient bientôt au secondaire. Le niveau de difficulté d'intégration pouvait varier et s'il y avait envie de pousser plus loin, en faisant des affiches, en faisant des graffitis beaucoup plus sophistiqués, bien, ils pouvaient. Donc, si vous voulez aller plus loin, on les empêchait pas, on les encourageait à y aller. On peut être très fiers d'avoir fait nos décors, on peut être fiers d'avoir été filmés par une caméra, on peut être fiers de comment qu'on a réalisé ce projet-là avec le chant, la musique et tout. Amélie Fortin, moi je suis enseignante en maternelle ici à l'école Félix Leclerc. Avec l'installation des micros puis tout ça, c'était très professionnel. Puis même les élèves étaient très impressionnés de tout ça, là. Fait qu'on s'attendait pas à ce que ça soit d'une aussi grande ampleur, là. Stéphanie Lompré, je suis maman de 3 beaux enfants à l'école Félix Leclerc. Moi, c'est Fanny Dumont. Je suis maman de 2 enfants, 2 filles ici qui viennent à l'école Félix Leclerc. Puis moi, ce que ça a apporté vraiment, c'est au niveau de l'autonomie, au niveau de la confiance en eux, au niveau de... ils sont vraiment fiers de ce qu'ils ont fait, sont fiers de chaque étape qui a été produite. Vous vous êtes adaptés avec le milieu de l'école, puis je crois que les 2 personnes, Anthony et William, ont vraiment intégré le milieu, la famille de l'école Félix Leclerc. C'est une école qui est dirigée, je pense, par des gens qui veulent aller de l'avant dans des projets différents, qui vont apporter beaucoup aux jeunes. Mais les élèves ont suivi. Les élèves, les profs ont été là aussi pour nous aider là-dedans. Fait que ça a très bien été. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce projet-là, Clavie? L'avoir fini. C'est de l'avoir fait. C'est super le fun. Ouais, on peut être fiers de vraiment beaucoup de choses. Vous avez travaillé avec William et Anthony? Oui. Oui. Comment vous les avez trouvés? Gentils. Est-ce qu'ils étaient tannants? Non. Oui. Ah. Oui. Un tout petit peu. Tout a bien été. Je peux s'en aller, là. Je pensais pas qu'on pouvait arriver à un aussi beau résultat. Ouais, avec une aussi belle qualité de captation audio et je pensais pas qu'on pouvait y arriver avec des enfants. C'est vraiment un projet qui était mobilisant pour toute l'équipe école, puis vraiment intégrateur aussi au niveau des matières. Et puis les élèves ont pu voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus avec leur musique, c'est quoi tous les métiers qui sont sous-jacents à ça, développer aussi tout le côté créatif de l'élève au niveau de la musique. Puis vraiment le numérique, c'est la clé aussi dans l'avenir, donc comment intégrer ça dans leur vie. Donc, c'est que du positif. On s'est ouvert à une nouvelle façon d'apprendre. Puis ça, je trouve que c'est wow, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Surtout avec des enfants qui ont tout à découvrir. C'est un projet magique. Motivant. Ben, magistral. Innovant. Rafraîchissant. Tellement enrichissant. Innovateur. Un défi. La créativité d'un bout à l'autre du projet. Dépassement. Et moi, c'est du bonheur. Une expérience inoubliable. Extraordinaire. Fabuleux. C'est beaucoup de plaisir.